Eh bien, le bonjour tout le monde, c'est Neo alias Sherlock Holmes qui est là pour l'épisode 7 de Neo versus la fourmilière. Alors je relance le minuteur, j'ai fermé l'appli comme en bêta. Touch timer, 15 minutes, start. Oh, bah, c'est lancé direct. Impeccable. Alors j'enregistre cet épisode comme prévu juste à la suite de l'épisode 6. Et comme prévu, il va falloir commencer à se faire un stuff digne de ce nom et il y a pas mal de fer là-bas. Donc allez, on va y aller. Je n'ai absolument pas de pierre. On va prendre la pioche, une épée en pierre. J'ai même pas de pierre en fait. Désolé mon cher ami, mais j'ai besoin de toi. Voilà. Bon, je sais, faut pas casser, mais fuck la police. Voilà. Et du coup, bah, je me sers. Hein. J'ai pas envie d'aller perpétrer les oeils. Oui, les oeils. Je dis bien les oeils. De pain. Alors je vais quand même laisser juste la pioche là, parce que je vais pas aller très très loin au niveau de la zone là-bas là. Comme ça si je meurs au cas où, c'est toujours mieux. Le pain on va le laisser là vu que je vais vraiment pas aller loin. Je vais récolter un peu de pierre. Bon à ce niveau-là ça va je pense. Faudrait que je me fasse... La priorité serait vraiment de trouver l'arbre quoi, enfin la pousse mais... C'est pas pratique. Alors peut-être en bas là vu que le donjon a l'air bizarre, je sais pas. Honnêtement je sais pas. On va essayer de perdre le moins de vie possible. Cible, ouais, génial. Je me suis complètement loupé, mais c'est pas grave. Alors, en premier lieu, faire un escalier. Bah, pour remonter, hein, c'est mieux. Tadadam. Yep. Yep là. Voilà. Bon, alors c'est archaïque, hein, mais c'est pas grave. C'est un escalier qui fera ses preuves plus tard. Ouh, il y a du fer au-dessus, j'avais même pas vu, je crois. Quoique. Si en fait, j'avais déjà vu. Oh, je ne sais plus. Et ce chaise, ce chaise de bureau, oui, ce chaise, cette chaise de bureau, ce fauteuil commence à me saouler. J'ai une garantie pour le changer parce qu'il fait que de descendre, mais ça fait depuis je sais pas combien de temps que bah, qu'on doit le faire et on ne l'a jamais fait. Alors, on va juste finir de sécuriser ça, ça et ça. Voilà. Et après, on va aller récupérer le fer là-haut. Ça gueule pas mal, hein. Alors je sais pas, il doit peut-être y avoir un truc au-dessus, je sais pas du tout. Mais c'est assez embêtant comme bruit, vous voyez. Alors on va récupérer la pioche. Je sais plus, je crois. Non, oui, non, le seul moyen d'avoir du bois, c'est de. Je ne sais plus quoi. Je ne sais plus quoi. Alors attends, je sais pas qui c'est qui vient de m'envoyer un message, mais il va attendre 2 minutes. Enfin, même un quart d'heure, parce que voilà, je ne vais pas répondre en message en pleine vidéo. Même si je crois que je l'ai déjà fait, mais j'étais tellement discret et tellement rapide que vous ne l'avez même pas vu. Quand je dis message, je dis SMS, hein, bien évidemment. Oui! J'ai une vie sociale. Aussi étonnant que cela puisse paraître. J'ai une vie sociale. Oui, vous pouvez m'applaudir, vous pouvez m'applaudir. Je sais, c'est rare. De nos jours, c'est très rare, mais je suis assez fier de cette performance. Non, je ne m'estime pas avoir une vie sociale... digne, enfin pas digne de ce monde, enfin hein, dingue, voilà c'est ça, dingue, tout simplement parce que voilà, je suis pas le type de mec à aller toutes les soirées brancher du coin et puis voilà, c'est pas un truc qui m'intéresse tout simplement et c'est tout, voilà, vous savez plus sur ma vie. Alors, hop, j'ai juste pas envie que ça se casse la gueule. Et moi non plus, j'ai pas envie de me casser la gueule, tant qu'à faire. Allez, du fer. Dis-moi que t'en as plus que deux. Eh bien non. Bien évidemment que non. Bien évidemment que cette chaise de bureau me saoule. Et hop, on va récupérer la pierre. Salaud. Dis-moi salope. C'est de la pierre. Voilà. Voilà. Et voilà. Et hop là. Vu qu'on va pas remonter là-haut, je pense. Dis-moi pas pour le moment. En fait, ce qui m'embête le plus, je pense que c'est les squelettes. Les squelettes, c'est vraiment les mobs les plus énervants parce qu'ils vous poussent, en fait. Bon, les creepers aussi sont très très chiants à ce niveau-là, vu que la map est assez restreinte. Mais les zombies sont... Voilà, c'est des mobs normaux, hein, j'ai envie de vous dire. Mais les squelettes, ouais, sont vraiment... Ils font mal, en plus, hein, mine de rien. Alors, va falloir traverser. Donc, on va employer la méthode qu'on m'a donnée, et qui, je dois vous avouer, est très très intelligente. Hein. Yep là, vu que ça, c'est pas interdit. Hein. C'est pas du tout interdit de le faire. On a le droit... Du moins, je crois. Hein. La map est toujours dans la description de la vidéo, donc si je m'en fie aux règles, on a le droit de casser la vitre. Hein.
Et c'est sûrement pour ça qu'elle a été mise. Enfin, j'en sais rien, en fait. On va vraiment garder un maximum de fer. Il doit en falloir... alors, attendez, à chaque fois... c'est vraiment un truc que j'arrive jamais à me souvenir. C'est combien il en faut pour faire une armure. Alors que je l'ai compté plusieurs fois. Hein. Alors, le casque, c'est 5. Les bottes, c'est 4. Ça fait 9. plus le torse qui est à 8. Et le pantalon à 7. 9 et 15, 24, oui, c'est ça. C'est ça, c'est bien, 24. Pourtant, c'est pas difficile à se souvenir où il y avait même du fer en face. Alors, technique. Tiens, 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 tiens. J'en profite pendant qu'il n'y a pas beaucoup de mobs. Hop, hop. Clac, clac. Et clac, 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 clac. Et j'ai fait n'importe quoi, j'ai gaspillé des blocs pour rien. Ah, ça m'énerve cette chaise. Honnêtement, va falloir que j'aille la changer. Parce qu'elle descend toute seule en fait, et bah c'est très embêtant de devoir la remonter à chaque fois, quoi. Et surtout quand on joue en fait. Obligé de mettre la main sur la poignée, et je raconte encore une fois ma vie. 36-15, 36-15. Yeah, ça m'en fait 13 déjà, la moitié de l'armure de fait. Ouais, c'est plutôt pas mal. Alors, boum, boum, que je fasse pas de bêtises, je dois être monté sur celui-là. Voilà, hop. Tiens, voilà. Alors ça lagouille un petit peu, je sais pas pourquoi. J'avais des petits lags. Alors, on va aller un peu plus bas. On va aller un peu plus bas. En descendant par là, je pense. Ouais, ça me paraît être une bonne idée. Enfin, pas si bonne que ça. Si, 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 ça va le faire. Hop, toujours s'organiser pour pouvoir remonter dans cette map, hein, parce que sinon c'est la mort. Si on tombe et qu'on ne peut pas remonter, il n'y a pas d'échappatoire. Alors, pouf, on va en profiter. Hein. Le gravier ne me sert à rien à part à faire des silex ou à un briquet, mais je m'en tape. C'est pas comme si j'avais des arbres à cramer dans cette map. Au contraire, il m'en faudrait un et il faudrait surtout pas que je le crame. Vous voyez, c'est vrai que. Faire pousser l'arbre, ça sera assez difficile. Il faudra vraiment bien que je le protège. Enfin, que je le protège. Je pense que si j'éclaire la zone, ça devrait le faire, quoi. Alors, je sais pas à quoi ça correspond. J'hésite. Je sais pas. Je sens la pousse dans cet arbre, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a de l'obsidienne. Ouais, c'est ça, en fait. Le coffre est bloqué par de l'obsidienne. Ils sont mignons. Et c'est des spawners à araignées. Ça veut dire qu'il faut une pioche en diamant pour ouvrir le coffre. Oh, là. À moins que ce soit de là. Ah non, c'est de la brique du Nether. Ouais, non, c'est de la brique du Nether. Alors, je tournais comme ça, hein, parce que je me concentrais avec la FOV. Enfin, je me concentrais. J'essayais de voir un peu mieux avec la FOV. Hop, hop, voilà. Alors, c'est assez con ce que je fais. Ouais, voilà pourquoi c'est assez con. Alors, désolé si vous entendez mon téléphone en bas. Aïe. Je sais pas, Ah non, 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 vous savez quoi? On va faire vite un aller-retour là-bas, on va mettre le fer qu'on a déjà parce que j'ai pas envie de le perdre. J'ai absolument pas du tout, mais alors pas du tout envie de le perdre. C'est la vie, quoi. Là, c'est ma vie qui se joue dans le jeu, bien évidemment. Parce que voilà, je vais pas jouer ma vie sur des morceaux de fer en vrai. Oh là là, il va vraiment falloir que j'aille manger, moi, parce que la faim me fait dire des bêtises. Oh, salut. Alors, oh, bah j'avais du fer là, 15 minerais de fer. On va mettre 3 charbons, même si c'est 8 par charbon. On va en mettre 3. Voilà. Impeccable. La pierre, on va la garder. Ça, on laisse ça là. Voilà. On va peut-être juste. Pouf, voilà. Pour le squelette qui m'embêtait. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit une grosse zone à pop de monstres ici. Alors, c'est tant mieux, j'ai envie de vous dire. Moyen de monstre, mieux je me porte. Si je pouvais faire cette map en peaceful, je la ferais, mais ça serait totalement idiot de ma part et inintéressant pour vous. Alors, ça doit être par là. Attention, ma tireur d'élite. Ouais, mais ça m'arrange pas s'il tombe pas en fait. Ouais, non, ça m'arrange pas du tout en fait. Je peux aussi la jouer à la kamikaze, mais ça, j'ai pas envie. Bon allez, la petite action folle du jour. Ça va se passer dans quelques instants. Alors, on va pas perdre le stuff déjà. C'est quoi ça? Ouais, alors ça c'est très très con. C'est très risqué.
Voilà. On va même en profiter. Clac, 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 clac. Attention, ladies and gentlemen. Punaise. J'ai plus du tout de vie. Je vais même pas réussir à faire ce que je veux. Je vais même plus pouvoir sprinter, vous allez voir. Ça va être même l'action débile du jour, en fait, j'ai envie de vous dire. Ah, je ne peux plus sprinter, donc pour pousser les mobs... Pff, voilà. Je suis fou. Ouais, mais ils sont cons aussi. Oh là. En fait, c'est moi qui est débile. Salut. Tu veux mon taille? Yeah. Oui, Epic Queen. Yappé. Je suis vraiment trop fort. Je suis trop fort. Je vais prendre un peu de terre pour remonter. Et puis. On va jouer le jeu. On va aller chercher du ping. Du ping pour se nourrir. Hop là. On va récupérer notre stuff. On va se casser. Et on va aller récupérer du pain avant de mourir. Surtout, il y a un zombie là-haut. On se casse. Taillons. Allez, cours. Non, tu veux pas. Ah oui, peut-être que le blé du coup va pas pousser s'il n'y a pas de torche là-bas. C'est embêtant. Oh bah c'est bon, ça c'est prêt. Et on va les laisser là du coup, voire même dans le coffre. On va pas prendre de risque. L'expérience, on s'en tape, ça on se laisse ça là. Le ping. Yaha, donne-moi la vie. Voilà. Bon, je la joue fair play, hein, alors que j'aurais très bien pu sauter dans le vide. On va aller chercher le fer qui restait. Qui devait se trouver un peu plus bas. Et que, vu que j'ai tué le squelette qui allait m'en empêcher, eh ben, je suis trop fort. Je suis trop fort. Oh, 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 oh. Si tu crois que je t'ai pas vu, toi, là-haut. Chaque bloc de fer est important. Et du coup... Attendez. Attendez. Ça gueule pas mal quand même. Hein. Il y a vraiment beaucoup de zombies, alors je sais pas d'où ça vient. What the tut. T'es malade toi. Vache. Gaze ou des montagnes. Bah. J'aime bien cette insulte. Enfin j'aime bien. C'est pas sens péjoratif ou quoi, hein, je l'avais déjà dit, mais. Je ne veux choquer personne. C'est Gezou des montagnes. Je sais pas, ça sonne bien. C'est pas trop méchant. Et c'est pas. Enfin, c'est pas trop méchant à entendre, j'ai envie de dire. Donc voilà, pour moi, c'est pas quelque chose de méchant ou discriminatoire envers une quelconque communauté de personnes. Voilà, ça, c'est dit. Salut, toi. Je le répète dans cet épisode parce qu'il sera sorti sûrement un ou deux jours après le précédent. Pour ceux qui veulent jouer avec moi à Terraria ou même à Minecraft hein, quand j'aurai envie d'y jouer. Suivez-moi sur Twitter et ajoutez-moi sur le Skype qui est NeoNono72, je crois. Je l'avais écrit dans l'autre épisode. De toute façon, si vous regardez celui-là, c'est que vous avez vu l'autre. Et si vous n'avez pas vu l'autre, bah, allez le voir. Je donne mon Skype secondaire que je vais sûrement réutiliser incessamment sous peu si j'ai suffisamment de demandes. Alors c'est simple, si vous voulez me demander sur ce Skype secondaire, bah, prévenez-moi via Twitter et je me connecterai pour vous accepter. Alors attendez, parce qu'il y avait du fer normalement là, non? Eh. Il y avait du fer là. Oula, pas de chose de connerie moi. C'est pas vrai, je suis pas miro quand même. Peut-être par là. Peut-être au-dessus en fait. Non? Bah. Si, là, voilà. C'est bien ce que je pensais. Deux blocs de fer en plus. Ouh, non. En plus, j'adore. Ouh, 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 la trouvaille. Sachant qu'il m'en fallait... Ah bah c'est bon, j'ai assez pour me faire une armure. Yeah. Ça, c'est bien, ça. Alors, il va me falloir une armure, une épée en fer. Et après... Il va me falloir une pousse d'arbre. Absolument. Absolument une pousse d'arbre. On va récupérer le charbon, là. Pour faire du bois, tout simplement, et me refaire des outils. Il va falloir que je construise des chemins un peu partout pour accéder au donjon facilement. Ouais,
Alors là, c'était vraiment la partie facile, je pense, hein, le fait de récolter une armure en fer. Et je sais pas comment je vais faire pour avoir tout un set en diamant, en fait. Parce que pour avoir le diamant, bonne chance. Hein. Bonne chance, bonne chance. Alors, je regarde vite fait combien de temps il reste, le temps que je parcours ce couloir. Eh ben, il me reste 2 secondes. Voilà. Your timer has finished. Your timer has finished. Ouvre-toi, toi. Mais allez, ouvre-toi, andouille. Enfin, c'est plus... avance, andouille. Pour ceux qui regardent Very Bad Blague, c'était dans les épisodes... je sais plus, je crois, de la saison 2. Ah, ma foi. On va se faire cette petite armure, du charbon en plus, de la chair putréfiée. Chair putréfiée qui va peut-être me servir quand même au bout d'un moment. À la limite, si quelqu'un peut me donner à quel endroit est le donjon de plantes, bah ça me serait utile. Je vous remercierais. À quel endroit il pourrait être le donjon où il y a la pousse d'arbre. Ça m'arrangerait, comme ça j'irai le chercher. Sachant que j'aurais peut-être tourné la suite quand vous aurez cet épisode, je ne sais pas. En tout cas, on va juste faire l'armure en fer avant la fin de la... Avant la fin. Enfin, on va se la faire... J'ai plus beaucoup de place pour la ranger, en fait. Alors, la poudre à canon, à la limite, on s'en fout. La rose, on s'en moque aussi. Ça aussi. Ah, j'ai une pelle qui traîne. Ah oui, d'accord, ok. D'accord, bon, bah voilà, c'est bon. Donne-moi tout. Allez, encore 2. Et je me ferai cette petite armure en fer qui sera très sexy. Voilà. Ça, je m'en fous. Et donc, ouais, si vous savez, s'il y en a qui ont déjà joué à la map, si vous savez où est le donjon avec la pousse d'arbre, bah... Indiquez-le moi, comme ça j'irai la chercher et ça pourra être assez pratique. Je ferai bien attention avant de la planter parce que je pense qu'elle sera très précieuse. Alors, que je me plante pas, normalement on peut faire comme ça. Une technique, je crois, qui fait que si je fais ça, je peux même tout faire d'un coup. Attendez, clac. Eh ben non, absolument pas en fait. Faut pas que je rappuie parce que sinon ça va louper. Voilà, et le pantalon. Alors oui, je sais, j'avais dit que je mettrais pas de pantalon, mais là c'est du hardcore. Enfin, c'est très très hardcore, donc voilà, on se sent beaucoup mieux en armure de fer. Et voilà, normalement dans les prochains épisodes, vous aurez le skin de Nudis qui sera de retour. Et voilà, bon bah c'était... Autant l'épisode d'avant était bah, pas très instructif, pas instructif, mais... fructueux, autant celui-là on a pu se confectionner une armure de fer et j'en suis très content. Allez, bon, on se quitte là. Moi je vais ranger cette armure qui va m'être très précieuse durant cette aventure. Qu'est-ce que je vais jeter? Qu'est-ce que je vais jeter? Alors ça, je vais pas le jeter. Voilà, pour cette organisation, mesdames et messieurs. Boum! Voilà! Allez, on se quitte là pour l'épisode 7. Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne, suivez-moi sur Twitter, ajoutez-moi sur mon Skype secondaire, mais je n'accepte sur mon Skype secondaire, enfin, pas que ceux qui m'ont demandé sur Twitter, parce que je sais que tout le monde n'a pas Twitter, mais faites une petite présentation originale. Laissez pas juste le message de bienvenue, dites-moi que vous venez de YouTube. Allez, ciao tout le monde et bye bye! Vous m'avez fait louper mon départ! Il a une porte. J'ai faim, faut que j'aille manger. Allez, ciao tout le monde. Et on se retrouve après cette vidéo pour vous indiquer que si vous voulez me suivre sur Twitter où je peux parler et répondre à toutes vos questions le plus facilement possible, eh ben, il est affiché à l'écran et il se trouve dans la description de chaque vidéo. Il y a aussi un lien vers ma chaîne secondaire qui devrait apparaître. Donc voilà, si vous voulez être encore plus au courant de tout ce qui arrive, bah, il y a Twitter. Après, voilà, c'est tout. Moi, je n'utilise pas Facebook. Donc voilà, ciao tout le monde et on se retrouve pour une prochaine vidéo.